Man point de presse bi ñu ngi def parce que dañ am luñuy nam organiser fi à Louga, donc ce qu'on appelle la conférence internationale à Louga. Ñu wara recevoir suñu natango l'Union d'Afrique, qui est une association internationale basée en France, mais mu am ci yenen pays président dina ci ñew. Ñu wara accueillir suñu natango, ñuy waxtaan ci ay thématiques yo xamni thématiques yu am solo, yu melni comme migration, la violence faite aux femmes. Ñuy nak di sante di gërëm le ministre maire Moustapha Diop, parce que bis bi bisam la, parce que mom moy parrain d'honneur bi bimu ñu recevoir vendredi dernier, vraiment engagé wu wax dinañu accompagner ci ci bis bi. Tay wajurum bu gor wañéku luñ def luddul diko jaalé diko massaw diko wax ni ko ñu ngi bok ak mom naxar bi. Suñ sañon dañuy reporter bis bi, mais dafa fekk ni ñi ngi ko sékkal ay pays yu bari la, té ñoo ñëpp confirmer nañu pour ñëw à Louga. Motax ñu ni dinañ ko def mais dans la sobriété, du am xumbu du am dara, am ben pensée pièce à son au disparu, parce que lolu moy li nga xamné mom mo ñu war, parce que lim ñu ji mom mo motax da am prix bu ñu lancé muy prix panafricain, ñu tuddé ko prix STEM, science, math ak technologie. Donc li ñi ngi koy jagalé moy étudiant yi ak élèves yi nga xamné yu jigen yi nga xamné ci math science lañu yëngatu, discipline math science lañu yëngatu. Prix bu nek prix bo xamné ki koy lancé moy la première femme africaine agrégée en math, mu ni day ñew Louga lancer ce prix panafricain. Chaque année à partir de 2020, mais récompenser les meilleures étudiantes ci ci discipline yoy ñu wax muy math science ak technologie ak élèves yi nga xamné ñoo gëna xarañ ci Afrique, mu nek un prix panafricain. Biñ koy defé tim comme lu walu académie la, dox nañ ci ay djégo présidente bi ak IA dajé nañ ba waxtaan sur le prix, bañ jël correspondance yi mom ci bopam IA mu envoyé ko au ministère pour donner un cachet universitaire au lancement de ce prix. Tay ci ëpp solo moy thématique yépp am solo moy la migration de manière générale. Ñu wax ni migration dafa nek lo xamni dafa am ay effet yu mi am, effet yu metti ci xalé yi, nit ñi ngi dé ci gaal yi, ku jëg bëgg tukki lim ci ni ci faatu joggé Afrique bari na lool. Ñu ne nek nañ ci waxtané Louga nek am ben contribution bo xamni dañ koy def sur la migration, mais ci côté positif comme côté négatif, parce que xam nañ nitam migration am na lu mu jëriñ lu bëré bëri ci population africaine de manière générale. Mais nan lañ koy défé ak yoon lañuy jaar ak yeen pexé lañuy def ba li am ci géej yi mo baña am, lolu mom moy thématique sur migration. Benen bi ci la violence faite aux femmes, gis nañ li xew Sénégal di ray jigéen ñi di am yeneen safaan bo xam nañ def, ñu ni nañ ci waxtaan parce que tim mbir dañ ci waxtaan conscientiser, sensibiliser nit ñi ci li nga xamni thématique nga xamni mom mo am en marge ci kibini. Lolu présidente bi soyam la, manam dina fi tok di de 10 jours yo xamni dañuy tok sur la faisabilité technique et financière pour monter une télé l'Union d'Afrique internationale, parce que thématique yi nga xamni mom lañu développer dañu bëgg mu jaar si communication, parce que la communication elle est mom mo ëpp solo, communication elle est primordiale, elle est centrale ci li ñi def. D'autant plus que qui est le président international de l'Union d'Afrique, c'est Natango, le journaliste. Voilà, vous savez que l'Union d'Afrique, c'est une association de femmes qui est née il y a tout juste 3 ans. Ensuite, avec un groupe de femmes au niveau du Sénégal, on a des commissions. On était un groupe de femmes qui se sont retrouvées maintes fois à Ouaga lors du festival du cinéma. Et en discutant, on s'était dit qu'est-ce qu'on va faire entre copines, comme elles le disent, ma copine. Ensuite, on a reçu un journaliste, un de vos leurs là, Diezmoun, qui vit depuis 20 ans à Auxerre. Il nous a regroupés, il a dit on va créer quelque chose, et c'est comme ça que la Lune d'Afrique est née. Avec comme objectif l'autonomisation de la femme, qui englobe les violences faites aux femmes, qui englobe beaucoup de choses. Donc on a su créer quand même, à travers différents pays africains, des cellules de Lune d'Afrique. On a créé la cellule Côte d'Ivoire, Burkina, Mauritanie, Bénin, Cameroun, Guinée. La Lune d'Afrique Sénégal, on devait faire l'investiture à Louga uniquement. Mais nous, au niveau du Sénégal, on s'est dit, faire l'investiture tout court et amener beaucoup de monde, non. On s'est dit, on va organiser autre chose. La présidente de la Lune, la présidente d'honneur, en l'occurrence Joséphine, qui est la première femme agrégée en mathématiques, s'est dit du moment que vous allez à Louga, on va lancer le premier prix panafricain à Louga. C'est le prix STEM des sciences, technologies et mathématiques. Donc la première édition aura lieu en 2020, Inch'Allah, ici à Louga, et on fera actuellement le lancement au mois de juin 2019. Et là,
on compte quand même recevoir beaucoup de sommités. Mmh. On a eu beaucoup de confirmations avec la Mauritanie, avec tous les pays que j'ai cités tout à l'heure. Ils seront là avec la Lune d'Afrique internationale basée à Auxerre.